Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Catherine Villeneuve. Et je suis la capitaine Stéphanie Duval. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense. La 102e édition de la Marche de Nimègue a pris fin récemment aux Pays-Bas. La 66e participation des Forces armées canadiennes à l'événement international de 4 jours met en valeur les liens historiques singuliers qui unissent le Canada et les Pays-Bas. La marche de Nimègue, c'est une marche internationale qui se passe ici à Nimègue dans les Pays-Bas à chaque année, qui réunit plus de 47 000 marcheurs civils et militaires. C'est une marche qui date de plus de 100 ans. C'est une marche qui a commencé avec les militaires. Le roi des Pays-Bas à l'époque voulait s'assurer que ses troupes étaient en bonne condition physique. Alors, il a commencé cette marche-là. C'est une marche de 4 jours, 40 km par jour, avec 10 kilos sur le dos. Et il marche partout dans les environs de Nimègue. Pas longtemps après ça, c'est devenu un événement un peu plus gros, puis les civils ont été intégrés dans la marche. Plus tôt ce mois-ci, le navire canadien de Sa Majesté Ville de Québec a entamé son déploiement dans le cadre de l'opération Reassurance, accompagné d'un hélicoptère CH-148 Cyclone qui prend part à son premier déploiement opérationnel. Le navire se joindra au 2e groupe maritime permanent OTAN en cours de route vers la mer Méditerranée. Cet effort s'inscrit dans la contribution du Canada visant à soutenir les mesures d'assurance et de dissuasion en Europe centrale et en Europe de l'Est. Le NCSM Ville de Québec a pris la relève du NCSM St. John's, qui est rentré dans son port d'attache à Halifax après avoir passé 6 mois à l'étranger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.